Hey, si toi aussi tu veux un maximum de vidéos Clash Royale, des rushs et attaques dans le top 200 monde, des packs opening de folie, des mises à jour en avant-première et bien plus, n'hésite pas à lâcher un énorme pouce bleu et à t'abonner à la chaîne YouTube. Bonjour tout le monde, c'est Farsata, comment allez-vous? On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale. Et aujourd'hui, les amis, je vous demande de m'éclater cette barre de pouces bleus parce que regardez, attention, suspense. Tadam, on va se faire un full légendaire de niveau maximum. Regardez, j'ai enfin débloqué la sorcière de nuit. Donc bon, là j'ai fait un super défi, mais je l'ai débloqué hier soir. Je peux vous dire que ça a été compliqué hein. Ce défi, j'ai vraiment galéré. D'habitude j'y arrive plus facilement, mais là je sais pas, j'ai galéré. En tout cas, allez là, allez de niveau max. Donc il y a eu un gros pack opening sur le compte. Et du coup, je vous demande de m'éclater cette barre de pouces bleus parce qu'aujourd'hui, on va se faire du full légendaire de niveau max. Donc, j'ai pris la sorcière de nuit, l'électro-sorcier, la voleuse, le cimetière, le dragon de l'enfer, le bûcheron, le molosse de lave et la princesse. Quoique, est-ce qu'on pourrait mettre la bûche là-dedans? Donc, on va pas mettre le zappi ni le mineur, je pense. Non, vous savez quoi? On va jouer beau jeu sans la bûche. Allez, on va jouer beau jeu, c'est parti, on va lancer, on est à 5507 trophées. Ah oui, regardez, juste après aussi, on va se faire le test de ce deck-là, donc la sorcière de nuit, qui commence à être très très utilisée. Je sais pas ce que vous en pensez dans les commentaires pour ceux qui l'ont débloqué. Est-ce que vous l'avez débloqué déjà? Et si oui, est-ce que vous l'avez testé? Comment vous la trouvez? En tout cas, je peux vous assurer qu'on la voit tout le temps dans le deck golem. Et je pense que ça va être du lourd hein. Ça va être du lourd, donc on va tester ça juste après. On commence directement, allez, avec le full légendaire. Et nous sommes contre Gotyu. Alors Gotyu, on va lui dire bonne chance. Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire comme combo avec ce deck? Est-ce qu'on se ferait pas un petit bûcheron cimetière? Je réfléchis. Alors, bûcheron cimetière ou pas? Il veut pas jouer. Déjà il veut pas jouer. Allez, vous savez quoi? Il n'est pas prêt là. Il n'est pas prêt pour ce qui va lui arriver. Bûcheron cimetière, il n'est pas prêt, je vous le dis. Il met un dragon. Ok, il a de quoi défendre à fond. Mais il prend quelques coups. Ça lui apprendra à pas vouloir jouer en premier. Et regardez le cimetière rage. Pas mal, pas mal, ouais. Ok, bon. Plutôt content là de ce premier push. On va mettre un petit dragon de l'enfer ici. Voilà. Ah, relou. Le mec joue une pompe. Donc on va agresser, hein. On va agresser, on n'a pas le choix. Allez, sympa ta bûche, merci. Et du coup, boum, sur la pompe. Yes. Énorme. J'adore la bûche, en fait, elle n'a pas touché la voleuse, étant donné qu'elle était en train de dasher. I love this game. Bon. Allez, c'est parti, molosse de lave. On est très très bien, là. Il est en PLS, Gotyu. Et il joue golem. Ah ouais, il joue golem. Alors, comment on va défendre? Je pense qu'on va, défendre à la... Vous savez quoi? Attendez. On va mettre la princesse ici. Voilà. Comme ça, faut qu'il pose des troupes devant. C'est parfait. On va mettre un petit électro ici. Voilà. Voilà, magnifique. Alors, est-ce que... Logiquement, il a la foudre. Donc ça, c'est pas bon du tout pour nous. Ouais. Là, on est un petit peu... On est un petit peu dans le mal, là. Là, je vous avoue que oui. Nous sommes dans le mal. Allez, le bûcheron. Ah l'enfoiré, ouais, ok, on va perdre la tour. La défense golem est compliquée, les gars. La défense golem est compliquée. On met une petite princesse, une petite voleuse ici. Allez, allez, un petit dash. Oh là 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 là. Bon, rien n'est perdu. Rien n'est perdu. On a l'avantage pour le moment. Alors d'accord, il va aller aux trois couronnes. Il a pas le temps, le mec s'est dit oula, par contre je vais pas poser un cimetière. Il s'est dit fuck, je vais lui mettre un 3 couronnes. Je sais comment je vais défendre. Là, j'ai une petite idée, là. J'ai une petite idée sympathique. Voilà, on va défendre comme ça. On laisse le molosse de lave passer. Ok, on va mettre ici un petit électro-sorcier. Un petit bûcheron. Et du coup, ça va faire le taf, normalement. Ça va faire le taf, voilà, magnifique. Et ici, on va mettre une petite princesse... Je sais pas pourquoi je la confonds avec la princesse. Oula, par contre, aïe, aïe, aïe. Ce dragon qui me fait très, très mal. Il est devant, là. Il est devant. Il va vouloir regratter, ici.
Est-ce qu'on tente un petit cimetière ou pas? On n'a pas vu la sorcière de nuit encore, donc on va la tenter, c'est parti. On va mettre le petit cimetière avec le bûcheron, c'est parti. On donne tout, et oui. Oh, ça commence à passer, Oui, oui. Oui, magnifique. Et on met la petite voleuse, vas-y, dash. Non, pas ici, là-bas, là-bas. Non, elle a pas dashé. Non, on va perdre. On va perdre, les amis. Vite, la sorcière de nuit. Et malheureusement, ça va pas passer. Oh là là, c'était à rien. C'était compliqué de défendre ce golem. Bon, c'est pas grave, un petit moins 27. Hein. C'est compliqué, hein, le full légendaire. On n'a pas de bûche en plus pour le gang. Mais bon, cool, la petite relégation, ça fait plaisir. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on s'en fasse un petit deuxième. Et après, on va se tester le deck golem. Vous allez voir, c'est du très très lourd. Bon. Ben on attend, super, on s'est fait... Pourtant on était bien parti, hein. On était bien parti, mais compliqué. J'aurais peut-être dû mettre la bûche, c'est trop tard. On est contre un niveau 12, on va lui dire bonne chance, il n'est pas prêt, Alors attention, une petite fournaise, j'ai bien envie d'agresser comme tout à l'heure là. Comme tout à l'heure, ce push dont personne s'attend, boum, là il va défendre ici. Et là il est en PLS, Wouah, la foudre. Ah ouais, bien joué, la foot plus bûche. Oh, j'étais pas prêt. Ah bah, GG. D'accord. Rip nous. Bon, c'est pas grave, on est quand même devant en termes de dégâts. Ça coûte cher, hein, de défendre la foudre. Avec la foudre. Ah ouais, mais le mec a bûche, l'échette, foudre. C'est bon, là, tranquille. Hein. Tranquille, il se met bien. Mais on va utiliser la sorcière de nuit un peu plus, là, dans cette game. On va utiliser la sorcière de nuit. Il veut pas attaquer, hein. Le mec joue full sort... Magnifique, batterie faible, on adore. Des barbares, ok. Alors les barbares, on va mettre le petit bûcheron ici. Je sais pas ce que ça va donner la défense au bûcheron. Ouais, c'est un peu faible. Hein. C'est un peu faible, on va mettre la voleuse. Il nous remet une fournaise. Aïe, on est en PLS. Et attention, boum, le petit dash. Magnifique. Oh magnifique, ça fait plaisir. Ça fait plaisir et on va défendre à la sorcière de nuit ici. On va défendre à la sorcière de nuit. Allez, la petite princesse ici. Par contre, il va utiliser sa foot, je pense. Non, même pas. Ok. Ok, ok. Bon, on va mettre un petit bûcheron. Il a raté ses fléchettes. J'ai envie de te dire merci. Merci, frérot. Il a raté ses fléchettes. Et on a un bûcheron qui va gratter tout seul. Et il va prendre la tour, ce bûcheron. Il va prendre la tour. Et oui, magnifique. Magnifique. Ouais, du coup, ses fléchettes, il est dégoûté, là. Utilise ta bûche un peu. Il veut pas être super combat. Aïe, mais batterie faible encore. Ok. Ok, ok. C'est parti. Petit molosse dans le fond. Alors là, j'ai bien envie de mettre un petit sosso électrique ici. Une petite sorcière de la nuit ou pas? Petite sorcière de la nuit derrière le molosse. Allez. Le problème, c'est qu'il va me foudre. Voilà, c'était sûr. Mais on a les petites gargouilles maintenant. D'accord, on n'a plus les petites gargouilles. Regardez l'autobus. L'autobus qui arrive. Le petit dash boom sur la tour. On a un bûcheron. Et là c'est rip, hein. Je suis Jojo là dans les commentaires, les gars. Je suis Jojo qui se fait soulever par le full légendaire rage. Regardez la sorcière de nuit enragée. Et c'est le 3-0. On s'est bien attrapé. C'est lourd ce qu'on a fait là. Je suis Jojo. Hashtag je suis Jojo dans les commentaires. Bon. Les amis, maintenant, il est l'heure de tester ce golem sorcière de nuit. Et on est promu. La promotion qui fait plaisir. Voilà, on fait toutes les ligues dans cette vidéo, c'est magnifique. Donc le deck golem, je vous le rappelle, golem sorcière de nuit, bébé dragon, gargouille, squelette, foudre, la bûche et l'extracteur. C'est parti. On va lancer sans plus tarder. Et du coup, voilà, ça fait plaisir. On a fait un petit 3-0. Un petit 3-0 des familles. Et nous sommes contre Felipe de la team eSport TNT. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Allez, c'est parti. Il nous dit bonne chance, on va lui dire bonne chance de même. Alors, la pompe. Ok, c'est parti, on part sur une pompe. Alors, qu'est-ce qu'il joue? Boule de feu, d'accord. Donc, ça sent le chevaucheur. Enfin, perso, je dirais le chevaucheur. Alors, est-ce qu'on joue un golem directement maintenant? J'ai bien envie de jouer un golem directement maintenant. Ok, il a des petits archers. Alors, est-ce qu'on lui met un autobus maintenant ou pas?
D'accord, il joue mortier. Faudrait cycler la foudre. Alors, on va cycler, voilà. Elle est là, la foudre. Juste ici. Du coup, on va partir sur un petit bébé dragon. Et attention, la foudre met quelque chose, voilà. Ok. Les petites gargouilles ici pour la MG. Allez, meurs la MG. Ok, elle est morte, magnifique. Magnifique. Et du coup, là, il se prend... Ah, c'est bien joué, les fléchettes. Ok. Bon, on reste devant, mais il a dépensé masse hein, pour défendre. Du coup, on peut... Est-ce qu'on repart sur une pompe? Je pense qu'on va repartir sur une pompe. Il risque de mettre son mortier, là. Il risque de mettre son mortier incessamment sous peu. La boule de feu encore, d'accord. Bon, on va mettre la pompe de l'autre côté, maintenant. Parce qu'il commence à trop gratter sur cette tour. Et il veut pas jouer. Cet homme ne joue pas. On va mettre le petit golem, c'est parti. Alors, le mortier offensif ou pas? Oh, le cimetière, what? What, il joue cimetière, lui? Oh, j'ai foiré ma bûche. Oups. C'est pas grave. C'est pas grave, il a bien gratté, je m'attendais pas du tout au mortier cimetière, à vrai dire. What the fuck? Allez, la sorcière de nuit. Vas-y, fais-toi plaise. Mais arrête, ok. Yes, elle n'est pas morte. Ça, c'est cool, on gratte de l'autre côté également. Et là, à mon avis, c'est la tour qui va tomber. Regardez la sorcière de nuit qui est très, très puissante avec le golem. Bon, là, j'ai remis une pompe alors que j'avais dit que je la mettais à droite. Mais la sorcière de nuit, à cause de ces petites chauves-souris qui sont tout simplement en l'air, c'est très, très fort. Alors, ici, boum, la petite bûche. La petite bûchette. Ça gratte un peu, mais il n'a pas pris la tour. On va laisser les archers à droite. Et puis là, on est parti, 20 secondes. Donc, il va tenter le tout pour le tout. On va mettre une petite sorcière de la nuit. La sorcière de la nuit qui défend très, très bien également contre le cimetière. Avec les petites chauves-souris. J'aimerais bien qu'il... Bon, il a égalisé, c'est ce que je voulais. Comme ça, regardez, on peut se marrer un petit peu. On va se faire un petit double golem. Bon, là, je vous le dis, il est clairement mort. Hein. Il est clairement en PLS. Regardez la puissance de ce deck. Il est niveau 12, mais regardez cette sorcière de nuit, quoi. C'est monstrueux. Cette sorcière de nuit, on va la voir souvent, les gars, dans les decks golem. Du coup, sur cette belle victoire, on arrive au bout de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Allez, les gars, vous savez quoi ? À 15 000 pouces bleus, je vous refais une vidéo sur cette sorcière de nuit et on s'ouvrira ce super coffre magique. En tout cas, moi, je vous fais de gros bisous, bye, portez-vous bien, ciao tout le monde.